Yes, salut les amis. Allez, petite vidéo aujourd'hui pour les personnes qui nous disent souvent moi le sport en intérieur c'est pas trop mon truc. Voilà, donc pour situer un petit peu, je suis en train de marcher en extérieur avec un magnifique paysage, avec un magnifique soleil, je sais pas si on va le voir. Là clairement c'est agréable, je dis pas le contraire, mais si on revient 6 mois en arrière avec j'en sais rien, un petit moins 2, moins 3, un petit vent qui glisse sous son manteau, est-ce que du coup le sport en extérieur, tout le monde est capable d'aller le faire régulièrement et durant toute l'année? Et ça c'est une vraie question. Je dirais que peut-être 1 ou 2% sont capables de faire du sport en extérieur toute l'année, sont capables de faire du sport chez eux devant un écran tout seul toute l'année. Mais à mon avis, en tout cas, ça correspond à une très petite partie de notre population sportive, pour celle qui veut faire un peu de sport en tout cas. Et pourquoi cette vidéo? Tout simplement pour vous dire qu'en fait, le sport en intérieur et le sport en extérieur, ce n'est pas incompatible, que ce soit l'hiver ou que ce soit l'été. Pour moi, et pourquoi on est accro à cette salle de sport Oria, parce que ça nous permet en fait de faire du sport toute l'année régulièrement. Quand vous faites du sport en salle, ça vous permet de vous entraîner 365 jours sur 365. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas le climat qui rentre, il n'y a pas les autres. Vous êtes dépendant que de vous. Deuxième avantage, c'est que vous rentrez dans un environnement sportif. Et que quand vous allez vous entraîner dans un endroit où il y a des personnes avec vous qui font du sport, et ben c'est beaucoup plus simple que de prendre ses chaussures et d'aller courir tout seul de nuit, de se dire qu'il faut peut-être faire du sport devant un écran. Et du coup, vous arrivez dans un environnement qui est propice au sport, qui vous donne envie. Et en plus de ça, et ben il y a quelques coachs des fois qui vous proposent des cours, qui vous suivent sur le plateau. Et du coup, ce lien que vous allez créer avec eux, ce lien que vous allez créer avec les autres adhérents, eh ben, ça vous pousse à être régulier. Et vous savez que pour nous, la régularité, c'est le facteur de, je sais pas si on peut dire succès, mais de bien-être en tout cas, de santé. Parce que quelqu'un qui fait du sport toute l'année, même deux fois dans la semaine, eh ben, sera en meilleure forme que quelqu'un qui se tape des coups de bourre d'un mois pendant l'été, aller faire ses petits joggings. Et qui ne fait plus rien pendant 10 ou 11 mois. Voilà. Donc, tout est compatible. Il faut bien l'organiser. L'avantage vraiment d'une salle, c'est je peux m'entraîner toute l'année. Je discutais avec un collègue à moi, mon petit Kevin, si tu te reconnais sur cette vidéo et que tu la regardes. Et on avait le même constat qu'on fait un sport co. Et du coup, dans le sport co, il y a beaucoup de pertes de temps finalement. On est très dépendant des autres et ça a un côté par contre super. Mais ce côté de la salle où en fait je ne suis dépendant que de moi-même et du coup quand j'ai vraiment envie d'aller m'entraîner, je peux aller m'entraîner n'importe quand, à n'importe quelle heure, faire ce que je veux, quand je veux et comme je veux, donc pas de perte de temps, pas dépendant des autres, ça a un côté vraiment agréable. Et pour moi, coupler ce côté-là avec des sorties extérieures, pardon, je ne sais pas si j'ai été clair là. Peut-être un sport co, c'est ça le secret, parce que vous diversifiez vos activités. En plus de ça, ça a un côté agréable parce que vous ne faites jamais la même chose. Et voilà, donc mon conseil, faites les deux parce que c'est important. Restez en bonne santé, restez en forme les amis, et je vous dis à très vite. Ciao.